Adixia et Simon Castaldi, taclés par Natania sur le plateau de Samzira, les deux candidats lui répondent et ne mâchent pas leurs mots. On vous dit tout. Moment gênant pour Adixia et Simon durant la réunion des 50. Une séquence de Simon et Adixia lors de la réunion des 50 a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Questionné sur sa relation avec sa chérie durant le tournage, Simon s'est exprimé et sa prise de parole n'a pas du tout fait l'unanimité. Moi je suis un peu spectateur de ça, un coup ça va, un coup ça ne va pas. Maintenant j'ai mes défauts, je sais ce qui ne va pas chez moi et ce que je fais de mal. Maintenant le problème c'est qu'Adixia ne sait pas ce qu'elle veut non plus. A-t-il déclaré. Mais sans hésiter, Adixia qui s'est exprimée sur les placements de produits, a rebondi sur les propos de son chéri et a déclaré. Ben si je sais très bien ce que je veux. Je sais très bien ce que je veux, c'est pour ça que j'ai créé de la distance entre toi et moi pour que je puisse déjà moi-même me retrouver, d'accord? Déjà une chose, parce que moi quand j'aime de tout mon âme. Et que je me suis oubliée dans notre relation. Donc juste en fait j'ai besoin de voir des changements voilà, et ensuite on verra si c'est bon de continuer ensemble ou pas. Et très vite, la séquence a fait réagir les internautes, et la vidéo a été relayée à de nombreuses reprises sur TikTok et les autres réseaux sociaux avec en légende, moment gênant entre Adixia et Simon. Natania Sonia, elle tacle Simon Castaldi. Il y a peu, Natania Sonia, elle s'exprime après sa défaite juridique contre Ilan, s'est confiée sur la relation qu'elle a entretenue avec Simon Castaldi. L'ancienne candidate de télé-réalité n'a pas manqué de critiquer ouvertement son ex. Et les révélations de cette dernière ont fait bondir le jeune homme qui a pris la parole pour se défendre. Il déclare, je viens de voir encore un truc qui m'a un petit peu émoustillé, un petit peu dérangé. J'ai vu ce qu'une personne que je vais appeler N, a dit sur moi sur le plateau de SM, Samzira, NDLR pour ceux qui comprennent. Tout ça pour dire que c'est des choses encore une fois fausses. On a été en couple une semaine, parce qu'après je partais faire le RDM à Marrakech, il y a plus d'un an et demi maintenant. Tu parles de ça sur un plateau télé pour essayer de créer un buzz. Je t'ai jamais mal parlé, je t'ai toujours respecté. À l'époque je voulais même pas partir faire le RDM à Marrakech, pour toi, Adixia. Elle répond au tacle de Natania. Et c'est désormais au tour d'Adixia de prendre la parole. Apparemment j'aurais piqué Simon à Natania. Ok. Simon est sorti avec Natania avant qu'il aille au RDM à Marrakech. Et si mes souvenirs sont bons, je pense qu'il est sorti avec Giuseppa avant de sortir avec moi. On était censé être copines, donc en fait ce genre d'échos t'aurais pu m'en parler avant. Mais dire sur le plateau que tu me parles plus à cause de ça, alors qu'avant moi il est sorti avec Giuseppa, c'est quand même un peu bizarre. Elle poursuit, elle avait déjà parlé de moi dans une interview, et j'avais pas relevé ce qu'elle avait dit sur moi, j'ai laissé couler.
Là c'est la fois de trop parce qu'elle me fait clairement passer pour une meuf qui pique les mecs des autres, et ça, ça commence à me gonfler. Voilà qui est dit. Lire aussi, elle n'est pas heureuse avec lui. Anthony Lyrikos, les 50 pas convaincus par le couple Adixia et Simon Castaldi. Entre Adixia et Simon Castaldi, c'est définitivement terminé. Leur confrontation lors du prime de l'émission Les 50 a été électrique. Suite à sa rupture avec la jolie Belge, Simon semble y voir du mal à remonter la pente. En effet, le candidat essuie de nombreuses polémiques et critiques. Taclé récemment par Anthony Lyrikos sur sa relation avec Adixia, Simon a réagi « Je trouve ça dégueulasse. » J'ai été bienveillant envers toi dans les 50. Je t'ai pris dans ma chambre. Bref, tout ça pour dire que ce que tu dis c'est de la merde. Si moi dans ma vie j'ai été jaloux parce qu'Adixia a été boire un verre d'eau en pleine nuit, soit tu es schizophrène, soit tu es amnésique ou tu as un gros problème mental. C'est facile de taper sur moi et faire du buzz sur moi. Aujourd'hui, l'ex d'Adixia répond aux critiques de Natania, et ça fait mal. On vous dit tout. Simon Castaldi, tu arranges tes vérités, en ce moment, Simon Castaldi se fait discret sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, il prend la parole pour se défendre. Je viens de voir encore un truc qui m'a un petit peu émoustillé, un petit peu dérangé. J'ai vu ce qu'une personne que je vais appeler N. Natania, NDLR, a dit sur moi sur le plateau de SM, Samzira, NDLR pour ceux qui comprennent. Tout ça pour dire que c'est des choses encore une fois fausses. On a été en couple une semaine, parce qu'après je partais faire le RDM à Marrakech, il y a place.